Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous et vos proches. Merci beaucoup aux personnes qui ont rejoint dernièrement la chaîne, qui me connaissent peut-être pas très bien, évidemment. Que vous dire? Je ne sais pas. Je fais de la voyance déjà depuis très longtemps. Je m'y suis remise depuis un peu plus d'un an. Je suis surtout astrologue, hein. Et puis, je fais cette chaîne pour soutenir tout le monde, pour vous réveiller les certaines personnes, évidemment, pour vous mettre en garde aussi. Hein, voilà. Et tout ça dans la bienveillance, mais dans l'honnêteté la plus totale. Moi, la sincérité, c'est mon credo. Hein. Ça m'arrive de mentir, mais c'est vraiment pour pas faire de mal aux gens, quoi. C'est généralement, je dis toujours la vérité, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais bon, je refuse de mentir, donc je ne vous mentirai pas avec les cartes. Sinon, que vous dire d'autre? Je m'investis beaucoup dans la cause animale. Donc, les revenus de cette chaîne sont redistribués aux animaux qui souffrent, notamment pour les sauver de l'abattoir. D'ailleurs, en ce moment, il y a encore des animaux à sauver de l'abattoir. Donc, je vais faire un don. Et donc, bienvenue parmi nous. Petite communauté très, très sympathique. Faites bien attention aux commentaires que vous me mettez. Hein. J'ai dû, la dernière fois encore... effacez des commentaires parce qu'il y a des mots que vous mettez en toutes lettres. Faites bien attention. Hein. Donc, s'il vous plaît, faites des abréviations. Enfin, bref. Vous connaissez la règle. Là, hein, on n'est plus en pays libre. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai remis ma vidéo qui avait été strikée la dernière fois. Donc, supprimée avec une mise en garde et un avertissement de YouTube. Et donc, j'ai mis quelques effets sonores pour qu'elle passe mieux. Bon. Aujourd'hui, on va regarder Élisabeth Borne. Alors, je n'avais pas envie de faire le tirage en toute franchise. Je la trouve très sympathique, non. Non, au contraire, pardon. Je la trouve très antipathique, cette femme-là. Or, si je pense à elle, ça veut dire que je dois me connecter. Et voilà, j'ai pas trop envie, mais enfin bon. Je vais quand même faire le tirage pour voir ce qui sort, voir un petit peu ce qu'elle va faire. En fait, j'avais déjà évoqué sans le savoir, hein, dans une de mes vidéos qui s'appelle... après les élections que j'avais fait début avril, j'avais vu un gouvernement dans lequel il y aurait un homme et une femme, comme quoi, hein, bon. Mais alors qu'il y aurait des choses qui allaient se mettre en route, qui ne seraient pas du tout bien accueillies. Et dans les prévisions du mois de mai, j'avais vu effectivement que Caligula allait offrir un poste à une femme. Bon, donc voilà. Alors, Élisabeth Borne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information à ce sujet? La reine de denier, le diable. Bah écoutez, ça sort bien. Alors, ça, c'est une femme matérialiste. Hein. Bon, pas toujours. Hein. La reine de denier, c'est pas toujours une femme matérialiste. Hein. C'est une femme qui peut être économe, voilà, qui sait gérer les finances, qui est organisée, etc. Mais là, avec le diable, évidemment, on va avoir la signification négative de cette carte. Donc, une femme qui est très intéressée par l'argent, puis avec le diable, qui veut soumettre tout le monde. Hein. Je vous rappelle que c'est elle qui est à l'origine de la suspension de nos amis les soignants qui n'avaient pas le pass. Hein. Voilà. Donc le diable, ça commence bien. Bien. Alors on va y aller. Non, je prends les cartes. Bah, si je prends les cartes comme ça. Je ne vais pas les prendre dans la main. Alors, Élisabeth Borne. Ok. On va voir un peu ce qui sort. Hein. Donc, personnalité et puis aussi un petit peu ce qui va se passer, ce qu'elle va mettre en route. On va voir. Alors, ici, le roi de denier, ben ça, c'est le chef. Enfin, le chef. C'est pas mon chef, hein, mais c'est son chef. D'accord? Le quête de denier, encore les questions de sous. Alors, ça, c'est l'avarice. Hein. C'est le fait de garder l'argent pour soi. Ils sont vraiment intéressés par l'argent là-dedans. Hein. Le bâton, pardon, c'est... c'est le commandement, c'est le pouvoir des commandements et le pape. Bon, bah, il va y avoir des lois qui vont passer, hein, je peux vous le dire déjà. Le pape, c'est un peu les institutions. Normalement, c'est la sagesse, mais enfin là, étant donné que je suis sur quelqu'un qui est politique, à mon avis, c'est vous voyez, elle a le bâton de commandement. Hein. C'est les lois, pour moi, il va y avoir des lois qui vont passer. Et ça va être certainement en relation avec l'argent. Et lui, là, le Caligula premier... Eh bien, il regarde, alors on peut considérer qu'elle est par là, l'as de bâton, si par exemple c'est ses mains, hein, si on peut considérer qu'elle tient le bâton de commandement, le bâton de pouvoir, Premier ministre, donc il regarde vers elle, et il regarde un petit peu comment elle va gérer les choses, mais bon. Je crois que ces deux-là, étant donné qu'ils se ressemblent, ils ont les mêmes yeux d'ailleurs, le même regard, à mon avis, ils vont bien s'entendre, hein. Ouais, Valet de coupe, bon, bah là, il y a une invitation, ouais, une proposition. Là, il y a des choses, effectivement, que l'on fait avancer. Il y a une progression, donc il y a bien des choses qu'elle va mettre en place. Un roi de coupe, ah, il y a un autre homme dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si le gouvernement est complètement formé, je ne crois pas, hein. Mais en tout cas, il y en aura certainement un qui sera au ministère des Finances, par exemple. En tout cas, il y a un homme, là, qui intervient, et le soleil. Oui, bah écoutez, oui. Elle va mettre en place des lois assez rapides. Assez rapidement. Hein. Mais ça va être, à mon avis, des choses financières. Alors quand je dis financière, ça peut évidemment gouverner le monde du travail. On va voir un peu comment ça va être accueilli, tout ça. La justice, vous voyez, je dis, hein, elle va mettre en place des choses juridiques. C'est sûr, hein. Ils vont y aller rapido, hein. Oui. Là, le pape, le soleil, la justice, c'est bon, quoi. Donc, on y go. Alors. Donc, des changements à venir, hein. Vous avez la roue de fortune. En plus, ça me fait penser à l'été, hein. Il y a le signe du cancer au mois de juin. Toujours l'empereur, ça c'est l'autre là, Caligula. Bah oui, récolte. Bon, bah écoutez, ça va faire mal au denier. Hein. Il va y avoir des choses financières. On va essayer d'en savoir un peu plus, parce qu'avec le tarot, on n'a pas trop de détails non plus. Hein. Je ne suis pas non plus spécialiste. Hein. Ça c'est Margot, hein, qui est plutôt la spécialiste du tarot. Mais j'aime bien le prendre aussi. Le tarot, il sort bien. En plus, celui-là, il est très très beau. J'aime beaucoup. Mais bon, moi, mon truc, c'est plutôt le Dixit, hein, que j'aime bien, que vous connaissez bien maintenant. Alors, je ne sais pas quelle tâche je vais prendre. Une deuxième, peut-être, pour changer un peu. Hop. Alors, je ne sais pas du tout quels jeux sont dedans, étant donné que j'ai tout mélangé. Je fais plusieurs versions. Hein. Voilà. Donc, il sort pas mal. Hein. Même en consultation, il sort très, très bien. En tout cas, quand je suis bien, bien connectée à la personne, il y a des choses intéressantes qui sortent. Bon. Ok, alors, Élisabeth Borne, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon. Ok, allez, on y va. Au niveau du gouvernement. Alors, oh là là, qu'est-ce qui sort là? Qu'est-ce qui sort? On a Illuminati là. Là, c'est un peu la vitesse. Bon, ok. Bon, vous voyez déjà un petit peu dans quel cercle elle trempe. Pardon, je vais essayer d'articuler quand même. Alors, en dessous, c'est... c'est un peu une civilisation engloutie. Donc, pour moi, ça va être la fin d'un état de choses, d'un état de fait. Ouais. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a là, le temps. Ouais. On a la rapidité et le temps, ici. Donc, ils vont vraiment mettre en place des choses bof. Pas sympa, on va dire. Oui, très rapidement. On va regarder un petit peu ce que c'est. Puis en plus, elle fait partie de ces milieux... enfin bref, vous avez vu avec la carte. Hein. Je n'en dirai pas plus. Alors, Élisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête, hein? On va essayer de voir un petit peu ce qu'elle veut faire. Okay. Alors, évidemment, avec Caligula, parce que, bon, elle suit les ordres aussi, hein, évidemment. Mais bon, moi, je vous ai toujours dit qu'il y aurait 6 mois difficiles. Hein. Après, bon, leur plan, il va jusqu'en 2030... donc, on ne peut pas dire non plus que ce sera forcément gagné-gagné. Hein. Mais bon, si on gagne quelques batailles, déjà, ça sera déjà pas mal. Ça nous permet, nous, entre-temps, de nous regrouper et de nous protéger. Bon. Et puis, de comprendre de plus en plus ce qui se passe. Alors, on a la spiritualité. Un danger. Les fioles. Ah, ça va ressortir. Bon, bah, c'est en projet, hein. D'accord, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Les fioles, vous savez ce que c'est. On a une surprise ici. Quelque chose d'inattendu. On a l'armée. Et on a les histoires. Alors là, je ne sais pas. Ça peut être des communications, mais ça peut être autre chose. Il y en a un qui est blanc. Il y en a d'autres qui sont noirs. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je sais pas, ça peut être l'Europe ou pas. En tout cas, il y a un truc là. Il y a des réunions, des concertations, des communications ici. Alors ici, on a quand même la spiritualité. Ok. Ça peut être nous. Hein. Ça se trouve, on va être dans le collimateur. Hein, pourquoi pas. Ça ne m'étonnerait pas. Alors. En tout cas, la fiole est ressortie. Bon. Pensez à des solutions de rechange hein, par rapport à cette fiole. Je sais bien que c'est pas facile, mais bon. Il y a toujours des solutions. Il suffit de le vouloir. Quand, comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut surtout pas céder à l'intimidation. D'accord? Votre corps vous appartient. Enfin bon, on va pas refaire le truc. Hein. Vous savez ce que je pense à ce sujet. Alors, ici, il y a des choses que l'on perd. Il y a des compromis. Ah oui, non, mais ça, c'est la spiritualité, c'est nous. Hein. Ça me fait penser à la censure, moi. Hein. Vous avez une petite feuille ici qui dort. Il y en a qui se moquent. Donc ça, c'est les complotistes, à mon avis. Hein. Et il va y avoir encore une fois des tentatives de déstabilisation ou de contrôle sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est son projet, mais il y a un truc dans le sens d'une surveillance accrue par rapport, encore une fois, à la spiritualité et aux lanceurs d'alerte. Ici, oui, bon, bah écoutez, l'ogre, hein, c'est l'ogre qui est sorti, voilà, c'est sorti comme ça. Donc là, c'est bien un danger. Mais voyez aussi que le danger, si c'est nous, hein, par rapport à l'ogre, eh bien, on a les ailes, on a des petites ailes. Donc, il va nous falloir un petit peu de courage. Ça veut dire que on va être dans une situation difficile. Ici, vous voyez bien que l'ogre s'apprête à manger les enfants, là. Mais il y a toujours une porte de sortie, il faut simplement avoir du courage. Donc, il y a des choses, effectivement, qui sont en préparation, qui vont certainement passer par les menaces, mais on a toujours une porte de sortie. Voilà. Bon, bah rapidement, la fiole. Hein. Vous voyez, c'est ressorti encore. Ça va revenir sur le tapis, hein, d'accord? Ici, on a une surprise, mais c'est retardé. Là, c'est un oiseau lyre. Pour moi, c'est un petit peu la surprise. C'est quelque chose qui est beau, qui est un petit peu inattendu, mais qui est positif, mais c'est retardé. Là, on a des disputes. Bon. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est pour moi, ça peut être l'Europe. Ou alors, des dirigeants avec une traîtrise. Alors, je dis l'Europe, ouais, ça peut être l'Europe, ou alors ça peut être le conflit, mais je sais pas. En tout cas, c'est en relation avec le conflit russe, machin, que vous connaissez, Ukraine. Donc, ça va revenir encore sur le tapis. C'est pas fini, cette histoire. Hein. Et il y a des traîtrises. Hein. Alors, de quelle façon ça va intervenir par rapport à la politique française? Bah, ça va intervenir, voilà. D'une façon ou d'une autre. Et alors, ici, les communications... Ah, bah oui, là, on est vraiment dans les trucs de censure. Hein. Vous voyez, c'était bien ça. Hein. D'ailleurs, si on prend les cartes, pareil, 2 à 2, comme vous savez, j'aime bien le faire. Là, on aurait effectivement ce que j'avais dit tout au début, en disant, ici, alors, on ne veut rien voir, on ne veut rien dire, et on ne veut rien entendre. Avec ça, les communications sur les réseaux sociaux, eh bien, en relation ici avec les moqueries, concernant, par exemple, la spiritualité du lanceur d'alerte. Bon, ça et ça, ça va ensemble. Hein. Donc, il va y avoir, pour moi, certainement, des lois, une loi, qui va être en relation avec un accroissement de la surveillance et du contrôle des réseaux sociaux, des fake news, enfin, soi-disant fake news, etc. Bon, ça me rappelle un certain roman d'un certain monsieur qui s'appelle Georges Orwell. Hein. Voilà. Si on continue 2 à 2, alors là, on a des choses difficiles puisqu'on a les trucs avec l'armée. Alors, cette carte-là, je l'avais déjà sortie. Hein, c'est une formation en tortue. Hein, donc, c'est l'armée, les militaires, en relation avec certainement le conflit ou des disputes au niveau de l'Europe. Hein. Il est possible qu'il y ait certains pays, d'ailleurs, qui n'aient plus trop envie de s'engager dans ces histoires de... Comment on va dire? Alors, OTAN, si je vous dis NATO, vous comprendrez. D'ailleurs, en allemand, c'est NATO. Je me suis disputée avec mon mari à ce sujet, parce qu'ils disent NATO. Je dis, mais non, c'est dans l'autre sens. Il me dit, mais non, c'est NATO. D'accord, bon, c'est NATO. Donc, on va dire c'est NATO. Hein, vous avez compris. Donc, il peut y avoir ça, et avec des histoires de menaces, ici. Ou alors, ça peut être des histoires de passe. Je sais pas, faudra qu'on regarde. Soit, elles sont effectivement en relation, ces cartes-là. Et donc là, encore une fois, on aurait bien... vraiment ici des cartes uniquement en relation avec le conflit. Soit, ça c'est le truc du NATO, dans lequel on pourrait avoir des conflits avec l'Europe, hein, des pays qui décident de sortir, etc. Parce qu'ils en ont marre et qu'ils n'ont pas envie de continuer dans ce conflit. Ou soit, c'est vraiment autre chose. Ici, on ira regarder. Bon, ça c'est la fiole, c'est sûr. Voilà. Donc, il y a déjà des choses sympas qui sont en préparation dans la tête de Madame Élisabeth. C'est pareil que pour l'éclipse, hein. Je retarde toujours l'analyse parce que ce que je vois, ça ne va pas non plus plaire. Pour l'instant, ce que j'avais dit, c'était ça s'est réalisé, mais enfin non. Ça correspond à ce que j'avais vu en astrologie. J'ai fait toute l'année, hein. Mais l'éclipse m'inquiète. L'éclipse m'inquiète. Ouais, bon, alors... Ici, on a le yin et le yang. Ça, c'est vraiment un truc de spiritualité, hein. Donc, c'est ça. Hein. On va être concerné par les prochaines mesures. Ah ben, qu'est-ce que je vous disais, ça va vraiment être les réseaux sociaux. Hein. Bon, censure sur les réseaux sociaux, oui. Avec même éventuellement traçage. Donc, vraiment, il va falloir vraiment faire attention à ce qu'on dit hein, de plus en plus. Donc, langage codé, abréviation. Dans vos commentaires, faites très attention. Hein. C'est là. Et en plus, ça vient de me venir, c'est que ça va être le QR, CODE, voilà, qui apparaît ici, parce qu'on l'a aussi ici. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment le contrôle, la surveillance, hein. C'est pareil tout ça. Vous avez encore une fois ici les réseaux. Donc, c'est ça. Bof, donc ils vont bien mettre ça en route, c'est le pass européen, c'est ça hein. Bah oui, ça va se faire, hein. Ça va se faire. Bon, ici, on a des fantômes, d'accord. Alors ça peut être justement les gens qui bavardent, mais qui sont discrets. Hein, c'est les fantômes qui sortent des écrans télé, qui discutent. Donc c'est un petit peu des révélations par rapport ici à un danger. Bon, ok. Donc, on aura encore des informations par rapport à ce qu'ils veulent nous mettre en place, c'est sûr. Alors, ici, sur la fiole, on a un morcellement qui est en train de se faire. Ouais. Une division. Donc, une division du pays, peut-être. Ou une division au niveau de l'Europe, hein, parce que c'est des petits bouts, si vous voulez. D'ailleurs, regardez ici, vous avez la tour de Pise. Alors, vous savez que... Alors, c'est pas à Pise, mais enfin, bon, en Italie, vous savez qu'ils ont mis en place le fameux pass. Le passe-partout, hein, et qu'on peut aller nulle part sans l'avoir. Bon, donc, il y a de ça, hein. Ici, pardon. Donc ici, on va bien avoir... Moi, c'est le pass que je vois dans ce jeu. Hein. C'est le pass ici, avec les histoires de surveillance accrue. Et le pass là, avec les questions d'éclatement, de division. Donc ça va encore diviser les gens, ça. Ouais. Alors ici, il y a quelque chose qui va nous permettre de garder la tête hors de l'eau. C'est vraiment ça. Hein. Mais c'est un peu retardé. Pourtant, le temps presse. Hein. Mais vous voyez, on a une espèce de bonne surprise en attente. Quelque chose ici qui devrait intervenir, qui va nous, encore une fois, qui va nous aider à garder la tête hors de l'eau. Alors, j'aurais peut-être pas l'info, hein, parce que quand il faut pas dévoiler des choses, il faut pas dévoiler des choses. Donc, on n'a pas l'information. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les questions de travail. Aïe. Ouais, et ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette guerre, ce conflit, va définitivement influer sur le travail, sur les matières premières aussi. Ça, c'est le bois. Vous savez qu'il y a des pénuries de matières premières. Hein, ici, quand on veut changer quelque chose, faire réparer quelque chose, il faut attendre 6 mois. Hein, bon. Enfin bref, c'est juste un exemple. Hein, mais je sais qu'il y a des entreprises de rénovation, etc., etc. Ils commencent à être très, très, très inquiets parce qu'ils ne peuvent plus honorer leurs commandes parce qu'ils n'ont pas les pièces qu'il leur faut. Hein. Bien. Donc ça, on a déjà des informations intéressantes. Alors, j'ai pas les questions de travail spécifiquement, Mais j'ai les questions de fiole et de passe. C'est déjà pas mal. On va regarder un peu ce qu'ils veulent nous faire. Alors, je dis le traçage, le contrôle, la censure, très certainement. Ici, si on peut avoir des révélations. C'est aussi les regroupements, ça. C'est les regroupements de personnes. Mais qui sont, je suis en train de le comprendre, de façon un peu, comment dire, secrète. Hein, ça, c'est un petit peu les Widerstand, comme on dit, les résistants, qui vont se retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux pour discuter de tout ça, de ce qu'ils vont nous mettre en place. Du coup, je voulais la mettre où, celle-là, ici, hein. Ok. Donc, on va vers une division, hein. On va encore vers une division, avec une recrudescence du QR truc, hein. C'est tout, hein. Bon, je vois ça comme ça. Alors... ouais, ouais, et ben oui, pour nous, effectivement, il va y avoir des difficultés. Il faudra vraiment, vraiment être prudent. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Voilà, parce que nous, on apporte de la lumière. Et il faut pas qu'on apporte de la lumière. Hein. Vous l'avez vraiment ici. Hein. Donc, censure, surveillance accrue, QR, traçage, bref, sympa. Et danger, voire moquerie. Ou décrédibilisation, je crois que c'est ça, hein, décrédibiliser, ah je sais plus, excusez-moi, hein. Enfin bref, ne plus rendre crédible, voilà, les personnes qui veulent tenter d'avertir, dont je fais partie. Ici, vous l'avez ici, il faut se protéger, c'est nous, on est dans notre armure et on se centre sur nous et puis on attend aussi que les choses aillent un peu mieux. Il va y avoir des groupes de résistants qui vont s'organiser. Mais encore une fois, on a nos ailes. On a des petites ailes. Il va falloir éventuellement qu'on fasse preuve de courage. Hein. C'est une carte de courage, ça. Oui, il y a un danger. Oui, ça sent le roussi. Oui, je sais. Mais d'un autre côté, on a toujours des petites ailes. Il faut qu'on prenne confiance en nous. Voilà. Donc, on aura éventuellement des possibilités de résister. Ah oui, bien sûr, c'est toujours lui que je sors, hein. Ça c'est Caligula, je le sors régulièrement, ici. C'est le fou qui jongle, vous voyez, avec des torches sur un tas de dynamite. Ça c'est, encore une fois, c'est notre, voilà, notre cher Caligula premier. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, je pense aussi, alors j'ai parlé de division, oui, mais vous voyez qu'il y a des explosions aussi, ici. Donc, à mon avis, ces histoires de fioles, eh bien, ça va créer une division. Pour les questions, je ne rappellerai plus. Mais ça risque aussi de mettre le feu aux poudres, puisqu'on l'a ici et là. Donc, il y a des gens qui vont en avoir marre de ces histoires. Surtout si les contraintes augmentent. Et elles vont augmenter. Bon. Alors, vous voyez, je vous dis, je n'aurai pas l'information, parce qu'il ne faut pas que j'ai l'information. Vous avez ici vraiment une surprise, une bonne surprise qui est en attente, qui est retardée, qui va nous permettre de garder la tête hors de l'eau, surprise, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et il faut peut-être pas que je le sache, mais c'est une petite lueur d'espoir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le traçage, les empreintes, le danger. Toujours pareil, hein. Donc, ça nous dit toujours un peu la même chose, hein. Que vous dire d'autre? Je vous ai déjà donné pas mal d'informations. C'est des choses qu'on sait déjà, en fait. Hein. Simplement, on n'a peut-être pas vraiment envie de savoir que ça va arriver. Parce que les contraintes ont été levées. Mais on sait très bien que les doses avaient été déjà commandées avant les élections. Et donc, il faut bien qu'ils s'en servent, n'est-ce pas? Je fais de l'humour, je sais même si c'est pas très drôle. Mais enfin bon, il faut bien dédramatiser. De toute façon... n'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne peut pas vous faire prendre le truc de force. Il faut dire oui. C'est un espèce de contrat que vous devez signer. Alors, évidemment, il y a toujours les contraintes, mais il faut quand même votre accord. Donc, voilà. Hein, moi, je savais depuis 1 an que je vous dis de faire des réserves. Bon, en 1 an, vos réserves, elles sont encore bonnes. Hein. Bon, les pâtes, ça se garde quand même longtemps. Hein, le riz aussi. Pensez à l'eau aussi. Enfin, bref, hein, pour éviter le chantage... comme en Italie, eh bien, encore une fois, pensez bien à ce que je vous ai dit. Ça fait depuis 1 an que je vous préviens. Alors, il n'y a pas encore de pénurie à tous les niveaux, mais par contre, là, il y a bien eu une hausse des prix. Hein. Donc, mon conseil n'était pas mauvais. moi, ce que je vous dis aussi, c'est d'aller vers plus d'autonomie. Hein. Bon, il va falloir y penser. Oui, je m'amuse avec mon petit cristal de roche, j'aime beaucoup. Les gens qui font de la voyance connaissent les propriétés du cristal de roche. C'est utilisé justement pour accentuer la clairvoyance. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr vous en procurer un. Ça vaut quelques euros, c'est pas très cher. Hein. Il faut pas qu'il soit trop taillé non plus. Il faut quand même qu'il y ait un côté assez brut, vous voyez. Donc celui-là, il est pas mal. Bon, ok. Alors, on va essayer quand même de revoir pour la surprise. La flamme dans les ténèbres, hein, ouais. Donc on est vraiment dans le thème. La flamme dans les ténèbres. Bon, écoutez, j'en saurais pas plus. Hein. Il y a une question de lumière. On est entouré de ténèbres. On peut considérer qu'on est au milieu aussi, hein. Mais il y a quelque chose. Il y a une petite lueur d'espoir. Tout n'est pas perdu, mais on va certainement avoir des moments difficiles. On va voir si on peut avoir des petites informations. Alors, ouais, on se recentre sur nous. Alors, vous voyez, il y a de ça. On se recentre sur nous. Mais ça veut dire aussi que il y a des personnes qui vont pas tout à fait comprendre ce qui se passe encore. Hein, on peut interpréter la carte de différentes façons. Hein. Vous avez la personne avec le popcorn qui regarde la télé, qui regarde le bocal de poisson rouge. Donc, elle n'est pas forcément négative, cette carte. Hein. Ça peut simplement vouloir dire se recentrer sur nos petits animaux domestiques, sur ce qu'on aime, sur son petit logis. Mais ça peut vouloir dire aussi de pas trop écouter la propagande. Ouais. Parce que il va y avoir un peu des histoires comme ça aussi. Bon, bah écoutez, c'est clair. Hein. C'est bien les questions encore de séparation. Hein. Il va encore y avoir une division dans la société avec des histoires de restrictions. Bon. Et les annonces ici qui vont se faire. Bon, donc en fait, ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça va être un petit peu la reprise de ce qu'ils nous ont fait en 2020. Hein. Tout simplement, 2020, puis une bonne partie de 2021, évidemment. Restrictions, etc. Passe, incitation à la fiole. Bon, voilà, quoi. Ils vont mettre ça en route. Hein. Bon, écoutez, c'est le plan, donc on le sait, donc c'est pas surprenant que les cartes soient sorties comme ça. Moi, ce qui m'embête quand même, c'est qu'on va être beaucoup plus surveillé, c'est sûr. Et il faudra être très, très prudent. S'il faut aller migrer ailleurs, eh ben, on ira migrer ailleurs, hein, de toute façon. Hein. Bon, donc la dame, la chère Élisabeth, elle a plein de choses en tête et elle va appliquer, en fait, les consignes de son chef, tout simplement. Okay, regardez ici. Ouais, qu'est-ce que je vous disais, hein. Ici, c'est... je n'aurais pas la réponse, mais il y a un truc sympa, là. Je n'aurais pas la réponse. Quand il ne faut pas savoir, il ne faut pas savoir. Mais il y a quelque chose qui est en préparation. C'est une surprise. Une surprise qui peut être la clé d'une libération, puisque j'ai quand même du doré ici. Mais encore une fois, surprise ici, surprise là, la tête hors de l'eau, c'est retardé. Il y a un truc, mais on ne sait pas quoi et on ne saura pas quoi. Donc, mon message, c'est oui, on va avoir des temps difficiles. Certainement, au cours de l'été, ça va commencer. Hein. Dès qu'ils vont avoir gagné les législatives, ce qu'ils feront très certainement. Parce que, bon, bref, hein, pas besoin de revenir sur l'intérêt des élections. Donc, ils vont mettre ça en route rapidement. Donc, la rentrée risque d'être assez... enfin, l'été et la rentrée risque d'être assez... assez difficile, mais gardez espoir surtout. Hein. Gardez espoir. Alors, on va arrêter là. Hein. C'est déjà une petite vidéo qui fait 30 minutes. Donc, on va juste se voir une carte sur cette dame. Est-ce que je peux en avoir une carte en ce qui la concerne, elle? Ah, elle fera pas long feu. Hein. Elle va pas rester, à mon avis, très longtemps, elle non plus. Vous voyez, ça fond. Le bonhomme de neige qui fond. Ouais. Donc, elle est de passage, cette dame-là. Ok. Et au niveau de sa personnalité, le Joker, oui. Non, mais on a une surprise qui va arriver. Il va y avoir un truc qui va arriver. C'est le Joker. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait des choses qui arrivent d'ici la fin de l'année. Ouais, je verrai bien ça sur vraiment sur l'automne. Mais il y a des trucs là qui sont en préparation et qui font faire que de toute façon, le truc, il va se casser la figure. Bon, alors, n'oubliez quand même pas que gagner une bataille, c'est pas gagner la guerre, hein, on est d'accord. Donc, il faut toujours... il faut toujours être prudent. Mais à mon avis, j'ai pas un espoir avec cette carte-là. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.